Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'eau galole et à la finale de la troisième édition de La Toune d'or. Mon nom n'a pas changé depuis la semaine passée. Je m'appelle Alexandre Lehoux. Je serai votre hôte tout au long de la soirée. Bien sûr, La Toune d'or, c'est une présentation de la ville de Sainte-Marie ainsi que d'Action TV. C'est rendu possible grâce à plusieurs personnes, entre autres nos partenaires, le studio Pierre Grenier, I3 en Vassin ainsi que Multimusique. J'aimerais souligner également la présence de conseillers municipaux. Bonne fête Sainte-Marie, bon 275e. Steve Rouleau est défauché, Claude Gagnon. Merci beaucoup d'être parmi nous. Ça a l'air aussi qu'on a le grand gagnant de la première édition de la Toune d'or. Marc-Antoine, est-ce que t'es? T'es où? Hey, salut! Nice! On peut l'applaudir quand même. Félicitations, mon gars. Je voudrais également vous présenter celui qui a gagné l'édition 2018 l'année dernière. Il veut venir présenter un petit mot aux six finalistes. On accueille très fort Derek Berthiaume. Si, bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. Donc, pour commencer, un gros félicitations à tous les participants, que ce soit de ce soir ou du premier gala. Un très gros bravo à vous, puis aussi à ceux qui se sont rendus en finale. On peut les applaudir. Donc, ce soir, les candidats, dites-vous que n'importe quoi, qu'importe ce qui arrive, là, vous êtes gagnants, OK? Vous avez eu une belle expérience de scène avec un public de feu, puis c'est ça, vous êtes juste gagnants là-dedans. Donc, c'est ça. Ils l'ont dit plus tôt, j'ai gagné l'an passé le concours de la Toune d'or. Mais il faut savoir que la première édition de la Toune d'or, j'avais participé. Et bon, j'avais fait le premier gala et ça s'était plus ou moins bien passé. Et là, j'étais arrivé chez nous, j'étais un peu déçu. Oh, là, ma mère, après ça, l'année d'après, ma mère, elle me dit « Derek, tu devrais t'inscrire. » « Ah, je suis pas sûr, je suis pas sûr, maman. » Là, finalement, je me suis inscrit, puis bon, j'ai gagné. Fait que ça, tout ça pour dire que dans la vie, on peut des fois dire, se décourager, puis facilement, puis dire « Ah, ben finalement, ça s'est mal passé. » Mais on peut se reprendre n'importe quand, puis faut juste prendre ça pour des belles expériences. Donc, ce que je vous souhaite à vous, les candidats, ce soir, c'est d'avoir du fun, parce que dans la vie, si on n'a pas de fun, ben ça va mal un peu. Hein? Fait que dans tout ce que vous faites dans la vie, ayez du fun. Bref, c'est ça, ce soir, ayez du fun et tout va bien se passer. Donc, merci, je vous souhaite une très belle soirée à tous. Bye-bye. Derek Berthiaume. Je rappelle que le grand gagnant, ben la grande gagnante de la Toune d'or va se mériter 500 $, en fait un enregistrement d'une valeur de 500 $ offert par le studio Pierre Grenier, un vidéoclip produit offert par Action TV, un certificat cadeau de 200 $ offert par Multimusique, une bourse de 150 $ offerte par la ville de Sainte-Marie, une prestation au programme Un été chaud 2.0, des billets de spectacle également offerts par Ovacène et les finalistes ne repartent pas les mains vides parce que, comme on l'a dit la semaine passée, les six candidats sélectionnés qui ont été sélectionnés la semaine passée reçoivent un premier contrat pour assurer la première partie d'un spectacle professionnel présenté cet été dans le cadre d'un été chaud 2.0. Vous allez pouvoir faire trois chansons parmi les centaines de spectateurs, donc c'est vraiment très cool. Ils ont travaillé avec ces trois magnifiques personnes cette semaine. Je vous présente nos coachs. Tout d'abord, Véronique Lambert, 23 ans, résidente de Saint-Joseph. C'est une passionnée du chant. Elle gravite dans l'univers musical depuis longtemps. Elle multiplie ses présences comme chanteuse dans divers événements. Tout d'abord, détentrice d'un diplôme en interprétation pop-jazz au Cégep de Drummondville. Elle se dirige par la suite vers l'Université de Sherbrooke en enseignement de la musique avec chant jazz. Elle participe à différentes émissions, dont Un air de famille en direct de l'univers diffusé à Radio-Canada, en plus de faire plusieurs contrats comme chanteuse avec son groupe They Were Here ou choriste dans de nombreux festivals, galas, parties privées, mariages. Elle participe à plusieurs concours et devient juge pour secondaire en spectacle. Véronique est récipiendaire de la bourse Marguerite Jacques, octroyée annuellement à des étudiants en musique et ce depuis 4 ans. Maintenant professeure de chant privé depuis 3 ans, elle désire partager sa passion avec les plus petits comme les plus grands.
C'est dans son équipe que Derek était l'année passée. Est-ce qu'elle va pouvoir récidiver? Est-ce qu'elle aura la grande gagnante de la Toune d'or? C'est ce qu'on va savoir ce soir. Une bonne main d'applaudissements pour Véronique Lambert. When you lose something you cannot replace. Maintenant, âgée de 25 ans, originaire de Québec, Rosemary McComeau est une auteure, compositrice, interprète, chanteuse, gratteuse, mais surtout heureuse. Elle met des mots sur des images, elle les colore avec sa musique, les exprime avec sa folie. Elle a une recette bien à elle, elle vous la donne. Deux tasses de folk, une tasse de pop, une cuillère à soupe de jazz, le tout mélangé avec des sujets audacieux, empreints d'humour. À l'été 2018, elle sillonne les routes du Québec avec son acolyte Nature Moderne dans le cadre de la tournée Rose et Marjo. Elle fait plus d'une trentaine de spectacles à travers le Québec. En 2017, en plus des nombreux spectacles auxquels elle a participé, Rosemary est demi-finaliste au Festival de la chanson de Granby. Dans cette même année, elle remporte la finale pan-canadienne d'université en spectacle, la finale locale d'Université Laval en spectacle. Elle participe aussi aux célèbres auditions à l'aveugle de La Voix 5. En 2016, elle s'est classée parmi les trois finalistes au tremplin de Dégely, parmi les deux finalistes au concours Qu'est-ce qu'on chante? Elle est sélectionnée pour faire le volet plein volume à l'Ampli de Québec. Elle a enregistré un EP intitulé « Appelez-moi Georges », composé de quatre de ses compositions. Rosemary termine présentement son baccalauréat en enseignement de la musique. Elle travaille sur son prochain EP qui sortira l'année prochaine. C'est une artiste qui est une véritable passionnée. Elle désire transmettre son bonheur et sa joie de vivre à chacune de ses prestations. Présente comme coach pour une deuxième année consécutive, Rosemary souhaite propulser ses candidats vers la grande finale. On accueille Rosemary McComeau. Maintenant, le petit nouveau, la recrue cette année de la Toune d'or, âgée de 29 ans, originaire de Québec, Jérôme Casabon, a plusieurs beaux et grands projets en 2019. Après avoir lancé trois disques, deux au sein du groupe Casabon et un en solo, Jérôme Casabon fera le tour du Québec pour dévoiler ses chansons accrocheuses sous un tout nouveau jour au cours de la prochaine année. Ses 12 ans de carrière font de lui un artiste capable de livrer la marchandise en spectacle, que ce soit devant un public déjà conquis ou devant une foule avide de découverte. Jérôme Casabon cumule différentes expériences qui lui permettent aujourd'hui d'être un artiste complet. Finaliste au Festival international de la chanson de Granby en 2018, artiste invité pendant trois éditions Francophonie de Montréal, candidat dans l'équipe d'Éric Lapointe au célèbre concours La Voix et plus encore. Sans trop d'artifice, avec une touche d'humour à un naturel désarmant, sa généreuse présence scénique promet un instant de bonheur déjanté aux humains de toutes sortes. C'est sans doute pourquoi année après année, l'auteur-compositeur-interprète cumule les concerts aux quatre coins de la province. Pour sa première année comme coach au concours, la Toune d'or, Jérôme s'engage à partager ses connaissances et ses bons conseils auprès de ses candidats. Bonne main d'applaudissements pour Jérôme Casabon. J'ai vécu, fait ce que j'ai pu, était au bout de ce que j'ai cru, ce que je croyais bon, ce que maintenant, je croyais bien. J'ai presque adoré. On tombe dans le programme principal. J'invite les six candidats, les six finalistes du gala, de la Toune d'or en fait, à venir, à monter sur scène sous un tonnerre d'applaudissements, bien sûr! The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now. Take my hand, stop, and the man on the jukebox. À tous, la meilleure des chances, je vous invite à aller en coulisses. Puis, question de vous préparer. Il va y avoir. Je vous rappelle le processus. On a eu une trentaine de candidatures. La semaine passée, on en a gardé 20. On a eu le gala numéro 1 de la Toune d'or. Là-dessus, les six finalistes que vous avez vus ont été retenus. Et là, comment ça va marcher ce soir? Eh bien, il va y avoir les deux candidats de chacune des équipes qui vont faire leurs prestations, une en arrière de l'autre. Il va y avoir également un court vidéo de leur parcours, de leurs impressions. À la fin des deux prestations, les juges vont donner leurs commentaires. Et lorsque les six prestations vont être faites, eh bien, là, ça sera cruel. Parce que les coachs vont devoir choisir qui ira à la grande finale un peu plus tard. Il n'en restera que trois. Et de ces trois-là, on aura un grand gagnant. On va commencer
par la prestation, en fait, les candidats, les finalistes retenus chez le coach Jérôme. Donc, on regarde maintenant le parcours de Rosie Lacombe. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burning lungs, solid taste. Salut Rosie, salut. Alors, est-ce que tu es un peu contente? Oui, pas mal. Ouais, même, pas mal même. Pas mal contente, oui. Est-ce que ça a bien été? Est-ce que, mettons, tu juges qu'en répétition, c'était meilleur et que pendant le vrai spectacle? Oui, un petit peu, là, okay. Parce que j'ai eu une petite note un peu moins belle que d'habitude, ouais. Mais je suis quand même contente. Ah ben c'est bon. En tout cas, moi, ça m'a donné le goût. J'ai été le premier même des trois coachs là, à mettre... Oui, je l'ai vu. Okay. J'ai vu. Puis j'étais content parce que j'étais sûr que tu allais choisir Rosemary aussi. Parce qu'on était deux quand même à s'être... Ouais. Pas retourné, mais à avoir démontré levé de l'intérêt. Là, on a levé le carton. Oui. Fait que ben, je suis bien content. Merci beaucoup. Ben de rien. Ça fait plaisir. D'habitude, je fais peur au monde, je sais pas. Non, j'avais fait le cégep Garneau, c'est pour ça. J'avais fait la voix Garneau. Puis, OK. Le monde ne choisissait jamais d'habitude. Fait que là, je suis vraiment content. Mais après, j'étais un bon coach, par exemple. Oh, c'est juste ben, qu'il me faisait pas confiance vite comme ça. Puis sinon, ben est-ce que tu étais... là, j'ai vu que tu as fait une power balance, tu l'as bien. Est-ce que tu as déjà chanté d'autres styles sur la scène? Est-ce que tu as déjà été joyeuse sur scène? Ben pas souvent. Pas souvent? Quand j'étais jeune, oui. Ouais. Mais en grandissant, j'ai comme tombé dans un tune un peu plus triste, mais je suis pas triste en vie tant que ça, là, pour vrai. Là. Ouais, ouais. Fait que je comprends pas vraiment beaucoup pourquoi je chante tout le temps du triste, mais on dirait que c'est plus facile pour moi. Okay. Mais tu sais, je suis ouverte à tout, là. Oh oui, bien, j'imagine ça permet de cracher la rage que tu as, puis après, ça te permet d'être bien de bonne humeur. Ben j'imagine. Oui. C'est oui, comme oui, ça que ça fonctionne. Mais moi, c'est l'inverse. Je suis toujours de mauvaise humeur, puis ça scène. Ah. Non, non, c'est pas vrai. Quand même pas. Mais je veux dire, moi, c'est plus mon bail les chansons up tempo. Mais bon, on essayera plein de trucs, puis ben on verra. Oui. Peut-être qu'on va trouver une chanson festive qui va marcher avec toi. C'est mais, bon. Krim, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Est-ce qu'on peut atteindre une note encore plus haute le prochain coup en finale? Oui, oui. Ben ouais, oui, ben oui, c'est capoter. Sûr. Oui. OK. Ouais. C'est bon, parfait. Ben, félicitations. Ben, merci beaucoup. Puis, bienvenue dans mon équipe. Yes. Je suis très content. Rosie Lacombe. There's a fire started in my heart, reaching a fever pitch and bringing me out the dark. Finally, I can see your crystal clear. Go ahead and send me out and I lay your shit bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I would do. There's a fire started in my heart, reaching a fever pitch and bringing me out the dark. This sky is if your love reminds me of us. It keeps me thinking that we almost have it all. This sky is if your love didn't leave me breathless. I can't. Rolling in the deep.
Merci, merci. Rosie Lacombe, 14 ans de Saint-Georges. Bravo. Maintenant, on regarde le parcours de Lindsay Bégin. Who's that sexy thing I see over there? That's me standing in the mirror. What's that I see thing hanging on my neck? That's gold. Show Salut Lindsay. Salut. Est-ce que t'as aimé ton spectacle? Oui, vraiment. Oui, OK. Ben moi, je voudrais savoir, ça m'intéresse pas mal de savoir comment tu t'es rendue à monter ce numéro-là. Ça a été quoi ta préparation? Pour vrai, j'ai été vraiment pas mal de dernières minutes. C'était assez surprenant, mais une semaine avant l'audition, j'avais pas encore ma chanson. Là, je la cherchais vraiment. À tous les soirs, je m'installais. Puis là, je cherchais, puis finalement, j'ai tombé sur cette tune-là. Ça a été le coup de foudre, puis j'ai commencé à la pratiquer à tous les soirs longtemps, puis ça finit par sortir de moi, à mettre des mouvements. Puis, Ah oui, OK. Puis est-ce que tu te pratiques devant les miroirs pour faire toute cette gestuelle-là? Non, c'est je prends ma famille comme public, puis ils me donnent des trucs. Ah oui? Ouais, puis leur opinion, là. Ah, OK. Fait qu'ils sont bien patients. Ils, oui. Ils essaient ça avec toi. Ah, ben c'est le fun qu'ils embarquent dans le trip. Ouais, ils s'y font beaucoup. Oui, moi, avec ma famille, elle a été bien gentille avec moi à ce niveau-là. Je leur ai fait toutes sortes de spectacles. Non, mais c'est parfait. Puis sinon, toi, pour l'avenir, dans quel style, même pour que ce soit pour la finale ou pour d'autres spectacles, là, ce serait quoi ton plus grand fantasme scénique? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Mettons à court terme, comme pour la finale, la demi-finale, je vais chanter une chanson que j'ai écrite. Fait que okay. Ça, c'était pas mal déjà décidé d'avance. Mais pour le futur ou d'autres spectacles, je pensais rester dans le même style un peu. Meghan Trainor, Taylor Swift, des chansons qui bougent puis qui déménagent. Ah oui, parce que c'est ce que tu écoutes principalement. Oui, j'aime beaucoup ça. D'accord. Quand ça as-tu déjà écouté du métal? Oui. Ah ouais, c'est vrai? OK, je pensais que tu allais me répondre non. Tu sais quoi puis t'en écoutes en plus? J'écoute plus du rock, du métal quelquefois, mais beaucoup de rock. Ah OK, parfait. Mais j'ai bien hâte en tout cas de voir ton évolution. Fait que félicitations pour ta prestation. Bienvenue dans mon équipe. Merci. Lindsay Bégin. Je t'ai laissé me blesser, laissé me contrôler. J'ai prié pour que ça prenne fin, que quelqu'un me tende la main. Je craignais toujours le pire, tu allais revenir. Je me cachais de toi, tout le monde me demandait pourquoi. Ne peux-tu pas comprendre? Tenter de te reprendre. Tu ne réagis pas. Je suis à mon plus bas. Ne me dis pas que ce n'est pas toi. Ne me dis pas que tu ne voulais pas. Ne me dis pas que c'est ma faute. Ne le dis pas, car c'est faux. Toutes tes insultes et tes mensonges, rien ne m'importe maintenant. Écoute-moi bien pour une fois. Ne dis pas que c'est ma faute, car c'est faux. J'ai les deux genoux par terre et toi tu veux la guerre. Les jours passaient et moi la tristesse me consumait. Ne peux-tu pas comprendre? Tenter de te reprendre. Tu ne réagis pas. Je suis d'un mot plus bas. Ne me
me dis pas que ce n'est pas toi. Ne me dis pas que tu ne voulais pas. Ne me dis pas que c'est ma faute. Ne le dis pas, car c'est faux. Toutes tes insultes et tes mensonges, rien ne m'importe maintenant. Écoute-moi bien pour une fois. Ne dis pas que c'est ma faute, car c'est faux. Je vois clair dans ton jeu maintenant. Je ne suis plus la fille d'avant. Si tu reviens, je serai prêt. Je ne me laisserai plus faire. Je vois clair dans ton jeu maintenant. Je ne suis plus la fille d'avant. Si tu reviens, je serai prêt. Je ne me laisserai plus faire. Ne me dis pas que tu ne voulais pas. Ne me dis pas que ce n'est pas toi. Ne me dis pas que tu ne voulais pas. Ne me dis pas que c'est ma faute. Ne le dis pas, car c'est faux. Toutes tes insultes et tes mensonges, rien ne m'importe maintenant. Écoute-moi bien pour une fois. Ne dis pas que c'est ma faute, car c'est faux. Car c'est faux. OK. La Sainte Marguerite Lindsay Bégin. Bravo. J'invite aussi Rosie à venir sur scène. On va en voir les commentaires de votre coach. Qu'est-ce que tu en as pensé? Il y a du talent. Ben oui, il y a du talent. Il y a du talent. Félicitations à vous deux. Bravo. Bien, commençons par Rosie. Belle puissance dans la voix. Je trouve que tu as donné une super belle prestation aussi. Félicitations pour. On a parlé d'un petit truc là, que d'apprendre à gager le micro des fois. Puis tu l'as super bien fait là, pour que le volume soit toujours bon tout le long. Fait que bravo pour Adèle. Merci. Serait fière de toi. Adèle, elle est pas loin. Elle s'en vient. Bon, mais quelle audace, Lindsay, pour ta composition. C'était une composition, quelle audace, mesdames et messieurs. Une grosse main d'applaudissements. Puis, tu l'as super bien rendu. On n'avait pas parlé que tu te mettes à genoux, mais c'est correct. C'est parfait. C'est super belle présence sur scène aussi. Je suis bien fier de toi, je suis bien fier de vous deux. Puis, c'est ça, je vais faire mon choix. Je m'en vais réfléchir à tout ça dans ma tête. On applaudit l'équipe de Jérôme. Merci les filles. Maintenant, on se transporte dans l'équipe de Véronique. On regarde le parcours de Gabrielle Grenon. Who's loving you? Life without love. Yeah. Allô, ma belle Gabrielle. Allô. Premièrement, je veux dire un gros merci d'être venue d'aussi loin pour participer à ce concours-là, parce que ça a été vraiment une révélation pour moi de te voir chanter puis de voir sur la scène. Juste pour commencer, je veux savoir, toi, là, c'est quoi ton cheminement musical? D'où tu pars puis comment ça que tu es rendue où est-ce que tu es aujourd'hui? Depuis que je suis petite, je chantais tout le temps, je jouais des instruments. Et quand j'avais 8 ans, ma mère, elle m'inscrit à des cours de chant et je trippais solide. Okay. Fait que là, elle m'inscrit à quelques concours, puis ben ouais. Super! Donc déjà depuis quand même un petit bout, ouais. Depuis que tu as 8 ans, c'est chouette. Je suis vraiment contente que tu aies pu vivre ça, parce que ça te paraît honnêtement. Tu as 11 ans, c'est ça? Ouais. 11 ans, puis ce qui est une raison pourquoi je t'ai choisie, en fait, ce que j'ai vu sur scène, là, c'est c'est quelqu'un qui est fait pour être là, qui était bien, qui était à l'aise. Tu avais du plaisir sur scène, tu utilisais toute la scène. Moi, c'est quelque chose que je faisais pas quand j'avais 11 ans, pas du tout. Vocalement, honnêtement, tu m'as impressionnée à peu près à toutes les notes que tu as faites. Ça allait partout, mais c'était tellement contrôlé, c'était tellement précis que si j'avais eu mon carton, c'est certain que je l'aurais levé. Puis j'étais contente en arrière de pouvoir te choisir. Et que c'est pour ça que tu es dans mon équipe, puis je suis vraiment contente de t'avoir avec moi. Puis pour la suite, qu'est-ce qu'on va travailler ensemble? Toi, qu'est-ce que tu aimerais, vers quoi tu aimerais qu'on s'en aille? Là? Dans le fond, la musique blues un peu. Blues? Cool, OK.
Puis ça, c'est quelque chose que tu as déjà travaillé ou ça, c'est une première? OK. On se l'est pas dit, mais c'est une de mes musiques préférées, le blues. Et je suis super contente de t'avoir avec moi. Puis bienvenue dans l'équipe Véronique! Yeah! Gabriel Grenon. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Terrebonne, Gabriel Grenon. Maintenant, voici le parcours de Lucia Gonzalez Perez. Je veux te dire un gros bravo pour ta performance. J'ai été vraiment impressionnée par ta voix. Juste pour commencer, toi, depuis quand tu fais de la musique, où ça a commencé tout ça, cette belle passion-là? J'ai toujours pas mal aimé jouer de la musique.
puis ben peu importe les instruments puis tout, mais j'aime beaucoup aussi entendre la musique, puis ben dans le fond ben j'ai commencé pas mal à jouer du piano à vers 5 ans okay. puis tout. Ben des petits trucs faciles, mm-hmm. puis ben après ben j'ai commencé à chanter puis c'est devenu une grande ouais. passion, hein. Mais c'est super parce que de ce que tu me dis, c'est que tu fais pas juste en faire de la musique, tu en écoutes et tout ça. Puis ça ouais. paraît beaucoup dans ce que tu fais parce que t'as l'air à t'amuser beaucoup, puis t'as l'air à avoir écouté beaucoup de musique aussi. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. C'est comme je t'ai dit, vocalement, tu fais des super belles notes. Puis moi, c'est des choses que, même si je suis chanteuse, c'est des choses que j'arrive pas nécessairement à faire. Donc, j'étais très, très, très impressionnée par ta voix. Puis en fait, ça n'a pas été très difficile de décider de lever mon carton. Là. Les premières notes, j'ai continué à écouter parce que je trouvais ça super beau. Mais j'étais très contente de t'avoir dans mon équipe. Puis pour la suite, on s'en va où ensemble? Vers quoi ça te tente de t'en aller avec moi? Ben moi, je suis plutôt habituée à chanter du pop. Mais ben ça me dérange pas d'essayer d'autres styles de musique. OK. Puis ben parce que j'aime beaucoup découvrir, puis j'ai vraiment curieuse. OK, super. Ben je te souhaite un gros bienvenue dans l'équipe Véronique. Lucia González Pérez. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round, and you can find the fighter, 'cause I see in you, so we gon' walk it out and move mountains. We're gonna walk it out and move mountains. And arise like the day. Arise and pray. Arise up and I'll do it a thousand times again. And arise up, I like the waves. Arise up, in spite of the ache. Arise up and I'll do it a thousand times again. For you. Hard to breathe, and I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Move mountains, the world to its feet. Move mountains, and arise like the day. Arise and pray, arise up, and I'll do it a thousand times again. For you. Thousand times again. For you.
Lucia Gonzalez-Pérez. Reste avec moi, Lucia. Reste avec moi. On va aller voir qu'est-ce que notre coach a à dire. Viens ici, Gabriel. Alors, Véronique, qu'as-tu pensé de tes prestations, de tes finalistes, de tes candidats, de tes poulains? Rajoutons-en. Aux deux. Moi, quand j'ai su que j'avais ces deux candidates-là, j'étais vraiment contente. Mais en même temps, au fond de mon âme, je me suis dit, mais que vais-je faire? Et là, je m'étais dit, bon, OK, peut-être que sur le live, là, il y a quelque chose... Non, c'est la pire décision que je vais avoir à prendre de toute ma vie. C'est vraiment très difficile. Gabrielle, t'es vraiment une découverte. T'as une façon de chanter. Ta technique vocale est hallucinante. T'es capable de faire des notes que j'ai jamais même rêvé de faire parce que je penserais pas être capable. T'as fait une super belle performance. T'as utilisé la scène. T'as regardé les gens. Je te félicite. Ça a vraiment été super bien, comme tu sais bien le faire, je pense. Et Lucia, t'es rayonnante sur une scène. On dirait que, tu sais, moi, on m'a dit que c'était son premier concours et on dirait que ça fait 600 que tu fais. T'es super belle. Merci. Ça a vraiment bien été aussi. Vocalement, j'ai eu des gros frissons aux deux en passant. Je suis un petit peu découragée, mais c'est bon signe pour vous. Ça veut dire que ça a très bien été. Puis je suis vraiment très, 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 très fière de vos performances. Les Merci filles. Beaucoup. On applaudit l'équipe de Véronique. Merci, les filles. Merci beaucoup, les filles. Maintenant, on se dirige dans l'équipe de Rosemary. On regarde le parcours de Megan Jobin. Look at me, I'm sexy, lousy with virginity. Won't go to bed till I'm legally wed. I can't, I'm sexy. Allô, Megan. Allô. Alors, j'ai été choisie dans mon équipe pour l'ensemble de ton être, c'est-à-dire l'artiste complète que tu es. J'ai adoré le côté théâtral de ta prestation. Je connaissais déjà ta voix et je l'aime encore, même que j'en suis follement amoureuse. Parce que tu as un thème qui est très communicateur. Tu as un thème qui fit super bien avec la comédie musicale. Et justement, pour les deux prochaines chansons, est-ce que tu penses rester dans la veine de la comédie musicale ou explorer autre chose? Bien, j'aimerais ça rester un petit peu dans la comédie musicale parce que j'aime ça faire des mises en scène. Mais ça se peut que je fasse autre chose aussi parce que j'aime aussi beaucoup mettre beaucoup de voix puis pousser des grosses notes. Est-ce que tu as des exemples d'artistes ou des titres de comédie musicale que tu aimerais Peut-être Burlesque. Oui. Il y a Memory de Cat que je chante aussi depuis peu. OK. Sinon, je sais pas. Il y a tellement de chansons qui sont bonnes dans les comédies musicales. Je connais pas toutes comme dans ma tête, là, j'ai pas tous les titres. Là. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas évident quand on demande comme ouais. Ça sur le fly, qu'est-ce que tu préfères. Et ton parcours musical, ça ressemble à quoi? Parce que j'ai entendu tantôt, en fait, je le savais déjà, là, t'as fait la voix junior, toi. Oui, j'ai fait la voix junior, j'ai fait le Téléthon Opération Enfant Soleil, j'ai fait le petit cabaret à TV5. Oh wow! J'ai fait beaucoup de concours comme Déjeuner, qu'on a fait ensemble. J'ai fait Ministère 129 quand j'avais 10 ans, que ça m'avait permis de remporter mes études au Collège François de Laval. Okay. Wow. Là, j'avais arrêté les concours, là. C'est parce que j'accompagnais mon élève qui a passé avant. Puis, ça me tentait aussi, il m'intéressait un peu. Ce concours-là, là, il m'intéressait. Fait. Le prix et tout, c'est fun, c'est pas juste de l'argent, c'est plus que ça, là, il y a plein de choses. Fait que ça m'intéressait, puis ben, j'en ai parlé à mon élève, puis on a été les deux, là. Elle n'a pas été choisie malheureusement, mais elle était super, super contente quand même. Fait que déjà là, tu donnes des cours de chant, oui. T'as énormément d'expérience sur scène. Ouais. Donc c'est des choses que tu vas approfondir avec le concours La Toune d'or, c'est génial, donc je te souhaite toutes les chances. En fait, t'as pas besoin de chance. Je te souhaite tout le succès que tu mérites. Puis tape-moi là-dedans. On va faire des belles choses ensemble. Just keep your cool, now you're starting to drool. Hey, Fango, I'm Sandra D. Megan Jobin! Wow! Mm-hmm.
rêver d'un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Serrer ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe ma chance, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille. Et la ville s'éclabousserait de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé. Brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible. De Québec, Mégane Jobin. Bravo, Mégane. Maintenant, on regarde le parcours de notre dernière candidate, notre dernière finaliste, Edina Mercier. Salut! Comment tu te sens? Ça va bien, toi? Ben moi, ça va super bien. Je suis très heureuse de t'avoir dans mon équipe. Je t'ai choisie pour ta singularité, pour l'artiste complet que tu es. Le fait que tu t'accompagnes à la guitare, que tu as une voix qui est très, très juste, qui transmet beaucoup d'émotions, qui transmet un bonheur et une joie de vivre qui me touche énormément. T'as une prestance. T'as un aura qui rayonne quand tu chantes et ça m'a touchée du moment que t'es entrée sur la scène. On sentait qu'il y avait quelque chose. Tu t'es mis à siffler, je suis pas capable de siffler. J'ai fait comme, wow, je suis impressionnée. Après ça, tu t'es mis à jouer de la guitare. J'ai fait, ben voyons toi. Puis là, ça fait comme 9 mois que tu joues de la guitare. Ouais. Ça a comme pas d'allure. Fait qu'on en parlait ensemble. Là, maintenant, ouais. C'est la harpe, le banjo, la guimbarde. Faut tout que t'essayes. Tout. Et puis ton parcours musical, ça ressemble à quoi? Ben, je chante depuis que je me rappelle. Que t'existes? Ouais, c'est ça. Je me rappelle que depuis que je suis petite, j'allais chez ma mamie puis je chantais toutes les fois, oui. À toutes les fois que j'y allais, je chante. Puis encore là, des fois, j'y vais, j'ai même pas besoin d'y aller puis j'y vais quand même, là. Okay. Parce que je chante avec elle puis c'est elle qui m'a appris la guitare aussi. Ah, t'en veux une mamie cool! Oui. Mamie cool! Merci, mamie cool! Et là, on s'en va vers où pour les deux prochaines chansons? Est-ce que tu as une petite idée en tête d'artiste, de style?
Ben, peut-être du Shawn Mendes, parce que je connais pas mal toutes ces chansons-là. Sinon, ben, comme maman disait tantôt, la tune de Niall Horan, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Okay. De Distance, ça s'appelle. OK. Puis, ben, il paraît que je la faisais bien, fait que... OK. Mais je pense que c'est un peu country, ça aussi. Ouais. Mais j'ai hâte, parce que c'est des artistes que je connais, mais que je connais pas tant que ça, donc je vais me cultiver grâce à toi. Merci beaucoup, Edina, de faire partie de mon équipe. Merci. Oh! Take a piece of my heart. Make it all your own. When we are apart, you'll never be alone. You'll never be alone. Edina Mercier. Merci. Allô? Tell me something good. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself alone. For change. In all the bad times I feel myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to feel that boy? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for you change. In all the bad times I feel myself. I'm off the deep end, watches I dive in. I'll never meet the ground. Crash on the surface when it can hurt you. We're far from the shadow now. In the shadow. In the shadow. In the shadow, we're far from the shadow now. Oh, De Scott, Edina Mercier. J'invite maintenant Mégane à venir sur scène. Rosemarie, qu'as-tu pensé de tes candidats? Je suis vraiment contente parce qu'il y a eu une belle évolution depuis le coaching chez moi. Premièrement, ben, Mégane, quand tu m'as fait cette chanson-là chez moi, je te l'ai dit, je suis tombée sur le cul. OK? Parce que c'est une chanson qui... La quête, ça vient me toucher énormément. Et ton interprétation de cette chanson-là, c'est hallucinant. Comment que t'es communicatrice, comment est-ce que tu transmets l'émotion et ta voix. J'ai absolument rien à dire. Merci. Merci beaucoup. C'était un motadine de beau moment. Merci.
Edina, je trouve ça génial parce que je sens tellement ta personnalité dans qu'est-ce que tu fais. Tu rentres sur scène et « Allô? » Tu sais, juste ça. Je fais « Ah, mais c'est Edina. » Parce qu'on a appris un petit peu à se connaître. Et là, tu commences ta chanson. Il faut dire que cette chanson-là, elle l'a appris dimanche. Et aujourd'hui, on est samedi. Ça fait 6 jours que tu connais cette chanson-là. C'est vraiment tout à ton honneur. Le fait de premièrement, ben de prendre un... c'est un numéro un depuis combien de temps, cette chanson-là, ça fait un méchant petit bout. Et tu l'interprètes à ta façon, tu la mets à ta sauce. Tu nous montres que tu es capable d'utiliser ta voix d'une façon qu'on n'avait pas vue à l'audition. Je suis contente que tu montres aux gens que non seulement tu joues de la guitare en tabarouette, mais tu chantes en tabarouette. C'est... En ce moment, je déteste ma job parce que il va falloir que je choisisse. Mais merci les filles, je suis comblée. Merci. Merci à toi. L'équipe de Rosemary. Maintenant, j'invite les quatre autres. J'invite tout le monde. J'invite tous les finalistes parce que là, c'est le grand moment. Là, c'est l'étape qui est un petit peu cruelle. C'est de savoir qui seront nos trois grandes finalistes pour la finale tout à l'heure de la Toune d'or. Et c'est toi qui as le dieu, Jérôme, de commencer. C'est moi. Bon. Oh boy, OK. Bon, mon choix est fait, oui. Lindsay, j'ai adoré ta personnalité, mais c'est un concours de voix vocalement. Rosie, tu m'as vraiment impressionné. Je vais y aller avec Rosie. Félicitations. Rosie Lacombe! Je peux te dire un dernier truc? Félicitations, Rosie. Lindsay, continue, t'écris des chansons à 11 ans, c'est quelque chose quand même, puis Krim, il te reste quelques années pour améliorer quelques trucs, puis continue d'écrire des chansons, c'est malade. Félicitations. Merci beaucoup. Donc, bravo à Rosie Lacombe, 14 ans de Saint-Georges, qui passe à la finale de la Toune d'or. Maintenant, Véronique, qui de Lucien et de Gabriel choisit? Allô? Je tiens à vous dire premièrement que je vous aime d'amour toutes les deux et que mon choix ne reflète pas que j'en aime plus une que l'autre. Sincèrement, c'est jusqu'à la dernière seconde que j'ai pris mon choix, que j'ai pris ma décision. Mais vous avez été excellentes toutes les deux, mais je vais devoir... Ah, oh, ça fait tellement mal. Je vais devoir continuer avec Gabriel. Gabriel, 11 ans de Terrebonne. Bravo les filles, bravo. Vraiment. Maintenant, dans l'équipe de Rosemary. Rosemary, qui de Megan et d'Edina, tu choisis? Alors, j'ai droit à deux performances complètement différentes. On ne peut pas vous comparer, mais pas en toutes. Faut dire que on est des humains, premièrement. On a fait des concours. Et le choix, la décision qu'on prend ne reflète pas la décision de tout le monde. C'est-à-dire qu'on prend une décision sur le moment, mais je suis certaine que toi, tu prendrais peut-être pas la même décision que moi et que vous prendriez peut-être pas la même décision que moi. C'est vraiment... Ça dépend d'une personne à l'autre et c'est pas... Aujourd'hui, c'est vraiment pas... C'est pas une question de talent parce que tout le monde est talentueux. C'est vraiment une question de feeling en dedans. Et pour le feeling en dedans, je vais continuer avec Edina. Edina, 15 ans de Scott, qui accède à la grande finale de la Toune d'or. Donc, félicitations à nos trois grandes finalistes. Nous, on va faire un entracte de 15 minutes. Si jamais vous avez un petit creux, une petite soif, il y a un service de restauration au premier étage. Vous pouvez aller vous ressourcer. Dans une quinzaine de minutes, ce sera la grande finale et ce sera à vous de dire qui de ces trois grandes finalistes deviendra la grande gagnante de la Toune d'or parce que ce sera les votes du public et on sera live sur Facebook également. Donc, à tout de suite. Alors, bonsoir. Là, ça s'en vient, là, stressant, ça s'en vient, là. On est fébrile surtout en coulisses. J'aimerais savoir, est-ce que tout le monde a leur carton de vote dans la salle? Si vous ne l'avez pas, levez la main, il y a quelqu'un du service des loisirs qui va venir vous les donner parce que c'est la façon de voter, bien sûr, dans la salle. Mais je vous rappelle, on sera en Facebook Live. Toutes les prestations seront présentées sur le groupe de la Toune d'or. Donc, les gens qui sont chez eux ou sur votre téléphone, vous allez pouvoir voter également. Les votes vont commencer à la fin des trois prestations. Il va y avoir une vingtaine de minutes. Il va y avoir une performance également de nos trois coachs. Donc, durant cette prestation-là, eh bien, vous allez pouvoir voter. Maintenant, elle est de Saint-Georges. Elle a 14 ans. Elle va nous interpréter une chanson de Billie Eilish qui s'appelle « I don't want to be you anymore ». On accueille Rosie Lacombe.
same impulse, fever my adore. Told it dehydrates is what makes you If I love you was a promise, would you break it if you're honest? Tell the mirror what you know she's heard before. I don't wanna be you anymore. Hands getting cold, losing feelings, getting whole. Was I made from a broken? Hurt I can't take. We made every mistake. Only you know the way that I break. If tear stripes could be bottled, there'll be swimming pools filled by my door. To the tired dress is what makes you If I love you was a promise, would you break it if you're honest? Tell the mirror what you know she's heard before. I don't wanna be you. I don't wanna be you. I don't wanna be you anymore. Merci. Fait que c'est fait, Rosie. Ouais, c'est Es-tu contente? Oui. Tant mieux. T'as de quoi aussi. Jérôme, qu'est-ce que t'as pensé? Ben oui, moi, je suis super content, Grim. Félicitations, Rosie, c'est fait. Merci. Content que tout le stress était tombé, mais je suis sûr que t'en avais pas bien, bien. Un petit peu. Ah oui, OK, OK. Ben, ça avait pas l'air, bon, mais... Ah, c'est bon. Ben, félicitations aussi à toute la famille qui t'appuie, puis je te souhaite un brillant avenir pour le reste. Félicitations, Merci Rosie. Merci beaucoup. Bravo. Rosie Lacombe! Maintenant, de l'équipe de Véronique. Elle nous vient de Terrebonne. Elle a 11 ans. Elle va nous interpréter une chanson de Whitney Houston. On accueille Gabrielle Grenon. Stay in my arms.
pray for me. No, I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. If I don't have you, you see through right to the heart of me. You break down my walls with the strength of your love. I never knew love like I can hold on to. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide. Gabriel. Allô. Alors, qu'as-tu pensé, cher coach? OK. Là, toi, tu viens pas de par ici, donc je vais te... Puis peut-être qu'en fait, c'est une expression que c'est juste moi qui dis, mais je vais t'en apprendre une. J'avais mal au poil. Ça veut dire que j'avais trop de frissons. Moi, quand tu m'as dit que tu voulais faire cette chanson-là, on m'a nommé le titre, je savais pas trop que c'était quoi. Puis là, tu as commencé à la chanter, j'ai fait... OK. Moi, je me serais pas attaquée à cette chanson parce que je pense... Non, c'est ça. Je me serais juste pas attaquée à cette chanson-là. C'est du Whitney Houston. Mais toi, t'as fait ça comme une championne. Honnêtement, on l'a ressuscité avec toi ce soir. Hey, cette chanson-là, là, ça module, ça change de note comme super souvent. Tu l'as attaquée avec aplomb. T'as utilisé la scène. Comme je te dis, j'ai eu des gros frissons tout le long. Je te souhaite juste un super gros bonne chance pour le reste. Puis écoute, tu peux juste être fière de toi. Ah oui, puis en passant, gang, elle a pas 11 ans, elle a 12 ans. Aujourd'hui même, c'est sa fête, tout le monde. Bonne fête! Merci. J'avais oublié de le dire tout à l'heure. Bravo, ma belle. Gabrielle Grenon. Maintenant, de l'équipe Rosemary. Elle a 15 ans, elle vient de Scott. Elle nous interprète une chanson de One Republic. On accueille Edina Mercier. Thank you.
weekend stars. I see this light like a swing of vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and we shall find. Oh, but I'm not that young. But I'm not that bold. I don't think the world is so. Just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. Feel like fleeting. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars. We'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I feel alone and I feel it burn down its river. Every turn, no peace. I fall at our take that man, watch it turn on. But I'm not that young, but I'm not that bold. I don't think the word is so. Just doing what we're told. I feel something so wrong. Doing the right thing. I could lie. Everything that kills me makes me wanna fly, lady. Merci. On va aller voir qu'est-ce que ta coach Rosemary en a pensé. Salut Edina. Wow, je suis vraiment contente que tu aies choisi cette chanson-là. On en avait jasé ensemble et je trouve que c'est un bon défi de faire la guitare et de chanter en même temps. C'est un bon défi de respirer dans cette chanson-là parce que t'as comme pas de place pour respirer. Je sais pas comment que t'as fait, mais je sais que t'es es-tu encore... Correct? Oui. Un peu, là. Mais je sais que tu es encore là, fait que ça veut dire que ça s'est passé. Tu as sûrement un troisième poumon qui a poussé à quelque part. Je sais pas où, là, mais je suis contente d'avoir pu te voir dans deux contextes différents, c'est-à-dire dans Shallow et dans un contexte où c'est vraiment... C'est complètement différent, c'est plus rythmé, c'est vraiment le rap qui est mis un petit peu de l'avant. Tu es très versatile. Lâche pas la patate, ça va bien. Merci. Merci. Edina Mercier de Scott. Et voilà, merci. Il n'y en a plus. Maintenant, là, c'est l'heure. C'est l'heure. Il y a quelqu'un du service des loisirs qui va passer avec une boîte dans le public. Vous allez mettre votre carton à savoir qui de l'équipe de Jérôme, l'équipe de Véronique ou l'équipe de Rosemary vous allez faire gagner. Sur le groupe, sur la page Facebook de la Toune d'or, ça va commencer
Imminemment, peut-être même maintenant, il va y avoir un sondage. Donc, faites-vous aller le piton là, sur votre, vos réseaux sociaux, puis sur votre tablette, sur votre téléphone. Demandez à la famille de partout où vous êtes là, de voter. Et là, c'est le fun parce qu'on a un petit bonus, on a un petit, une petite prestation dans les prochaines secondes de nos coachs. Donc, vous, j'espère que vous allez être très attentifs parce que je crois qu'ils ont travaillé très fort et je crois qu'ils sont nerveux également encore. Donc, je vous demande d'applaudir la prestation de Jérôme Casabon, Rosemary McComo et Véronique Lambert. Oh, oh, alors, ça va bien? Fait que moi, c'est Jérôme Casabon. Je vous impressionnerai peut-être pas comme tous les candidats avec ma voix, mais j'espère vous faire passer un grand moment avec le plaisir que j'ai à vous chanter cette chanson. C'est une chanson qui parle de ne pas être de bonne humeur dans le piton, mais non plus très... Ça parle pas d'être très, très down. Ça parle tout simplement d'être pas pire content. D'ailleurs, quand le refrain arrive et que je dis « On est pas pire content », vous dites « Hi-haw » avec le poing dans les airs, mais pas trop. Juste « Hi-haw » comme ça. OK, vous êtes prêts? C'est parti! Quand on boit cette petite frette après un jour de turlabeur et qu'on met de la potée dans les trous de nos cœurs de rockeur, quand il passe une bonne groove dans le bon vieux baladeur ou quand on porte une belle petite coupe en partant du coiffeur, on n'est pas pire content là. Yeehaw! On n'est pas pire content. Encore une fois, on n'est pas pire content. Yeehaw! On n'est pas pire content. Quand dans noirceur il allume un réverbère, quand on fait rire une bibliothécaire, quand on est dans un party légendaire ou quand on rentre dans l'autobus l'hiver avec un vieux transfert, à vous, on n'est pas pire content. Yeehaw! On n'est pas pire content. On n'est pas pire content. On n'est pas pire content. Content que content. Quand après une petite vite on se débarbouille, quand on gagne les games grâce à nos couilles, 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 couilles incognito, on lâche une douille. Ou quand on vient de la Jamaïca pis qu'on évite la fouille, on n'est pas pire content. On n'est pas pire content. Hi-ha! On n'est pas pire content. Content, 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 content. Merci! Hey! OK, là, je sais, on a une job un peu plate, nous autres, parce que là, vous, tu sais, faut que vous votiez, puis honnêtement, je vote tous en grand nombre. Mais pour vous divertir, c'est aussi une chanson qui va vous faire participer. D'après moi, vous la connaissez. Donc, gênez-vous pas pour chanter les refrains avec moi. C'est une chanson de France d'amour. Wow! À toi. Oh, 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 oh. J'entends ta voix. Je pourrais me rappeler de ton sourire pour mieux me rappeler de ton prénom. De ton prénom. Je pourrais me rappeler de tes cheveux plus fous, plus blancs que le blé des champs. Le soleil brûlant. Et tes yeux plus bleu que le fond d'un ciel bleu. Oh, ah, ah.
pourrais me rejouer toute l'histoire. C'était encore quand venait le soir, où s'arrêtait le temps. Je pourrais rebaptiser chaque étoile, des grains de ton dos qui se dévoilent sur le fond blanc de ta peau, plus douce que le souffle d'un vent chaud. Oh, 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 oh. Quand je pense à toi, j'entends ta voix, j'entends ta voix, j'entends ta voix. Quand je pense à toi, j'entends ta voix. Oh, oh, yeah, 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 yeah. Là, je vais avoir besoin de vous autres, gang. C'est le refrain. Faites les bouts que vous connaissez. Ah, oh, oh. Quand je pense à toi. Oh, oh, oh. J'entends ta voix. Ah, oh, quand je pense à toi. Oh, 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 c'est plus fort que moi. C'est toujours là. Oh, oh, quand je pense à toi. J'entends ta voix, j'entends ta voix, j'entends ta voix. Ouh, ouh. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis d'envie, je suis auteure, compositrice, interprète et j'ai le grand plaisir de vous présenter une compo. Ça s'appelle « J'attends » parce que j'ai... C'est une chanson qui parle de grandir et j'ai l'impression que je vais toujours garder mon petit cœur d'enfant parce que ça me tente pas de grandir, même du haut de mes 25 ans. Par le temps. Le temps, le temps, le temps est passé en coup de vent. Le vent, le vent, le vent va frapper dans le présent. Présentement, j'ai les pieds dans le ciment. Facile de faire semblant. Semblant, semblant, semblant que j'ai pris mon élan. L'élan, l'élan, l'élan pour aller de l'avant. Avant que l'on oublie comme le printemps. Jamais vieillir.
vieillir en profitant de chaque moment. J'attends, 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 après quoi? J'attends, 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 après quoi? J'attends, après moi. Oh, 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 j'attends, après moi. Oh, 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 oh. Aïe, 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 que vous en voulez plus. Les trois coachs vous ont préparé un medley de musique québécoise. Donc, revoici Rosemary McComeau, Véronique Lambert et Jérôme Casabon. C'était juste des femmes. T'avais 17 ans pis la vie c'était loin d'être Disneyland. Mais quand la cloche a retenti au-dessus de la porte, t'as tout de suite su que c'était l'amour qui rentrait. La neige fondait deux fois plus vite dans toutes ses bottes, pis le soleil assivait entre les volets. Dame Dala, dame Dala, dame Dala. Les gens sont magiques. J'aime le soleil et l'amour éternel. J'aime la vie. J'aime le matin quand près de moi elle se réveille. J'aime la nuit dans le nid du paradis. Dis-moi qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce qu'il te faut pour monter, monter, monter plus haut. Aimes-tu la vie? Vois-tu la vie comme ça? Aimes-tu la vie comme moi? Vois-tu la vie comme ça? Celui qui marche quand le bonheur en arrache, quand l'amour me chatouille, quand la vie le bafouille, toujours vivant. Je suis celui qui regarde en avant. Je suis celui qui lutte quand la vie le culbute. Je retombe sur mes bottes, les pieds dans la garnotte, toujours debout.
celui qui va jusqu'au bout. Je suis celui qui frappe dans la vie à grands coups d'amour. Je suis celui qui frappe dans la vie à grands coups d'amour. Ok, à vous, c'est le refrain. Je suis celui qui frappe dans la vie à grands coups d'amour. Encore à vous, ben oui. Je suis celui qui frappe dans la vie. On continue avec moi. Je suis celui qui frappe dans la vie à grands coups d'amour. Nos coachs de la Toune d'or 2019. Là, ça s'en vient. Est-ce que tu fais, tu pas fait? Oui, c'est bon. Ben, écoutez, déposez guitare et instruments, troubadour, et revenez me rejoindre avec vos finalistes. Parce que c'est l'heure. On peut les applaudir quand même. Il vous reste du jus? Oui, il vous reste du jus. Merveilleux. Maintenant, j'inviterai M. Steve Rouleau, conseiller municipal à la Ville de Sainte-Marie, à venir nous dire quelques mots. Bonsoir à tous. Un, deux, oui, OK. J'espère que vous avez apprécié cette belle soirée organisée par l'équipe du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Sainte-Marie, qui, encore une fois, nous a donné la chance de vivre de si beaux moments, car il est important pour la Ville de Sainte-Marie de mettre en lumière les talents de notre jeunesse, et ce, autant pour le monde culturel que le monde sportif. Je tiens à féliciter l'ensemble des finalistes, mais également tous les participants à cette troisième édition du concours, la Toune d'or. Que de beaux talents! Vraiment impressionnant de constater ce que vous êtes en mesure d'accomplir à votre âge. Je parle des plus jeunes. Okay. Merci à tous les partenaires et commanditaires qui ont fait de ces vêtements une grande réussite. En terminant, possiblement que je parle plus aux finalistes, il est important de remercier les parents, vos parents, qui ont encouragé leurs enfants à persévérer et participer à cette belle aventure qu'est le gala Toune d'or. Merci beaucoup. Je vais me rejoindre ici. Merci. Je vais demander également à Derek Bertillon de venir sur la scène, notre gagnant de 2018, avec le trophée que gagnera le grand gagnant, en fait. Je rappelle également le grand prix. Donc, une de ces trois personnes se méritera un enregistrement d'une valeur de 500 $ offert par le studio Pierre Grenier, un vidéoclip produit et offert par Action TV, un certificat cadeau de 200 $ offert par Multimusique, une bourse de 150 $ offert par la Ville de Sainte-Marie, une prestation au programme Un été chaud 2.0, des billets de spectacle offerts par Ovacine. On est-tu rendu? On est rendu. Monsieur Rouleau. Oui. Venez avec moi. Venez ici, les trois filles. Venez-vous-en. Hey, bonne chance à vous trois. Vous le méritez amplement, tout autant que vous êtes. Ça va être c'est difficile, mais... C'est difficile, mais il faut le faire. Il faut passer par là. Oui. La parole est à vous. Qui de Rosie, Gabrielle et Edina est la grande gagnante de la Toune d'or 2019? La grande gagnante de l'édition 2019, Edina Mercier. Edina Mercier, 15 ans de Scott, la grande gagnante de la Toune d'or 2019. Veux-tu dire un mot? Pas une chanson. Pas une chanson, un mot. Un mot. Ben, merci à mes parents, ma famille, tout le monde.
Puis ben merci à Sainte-Marie pour avoir fait un concours aussi le fun que ça. Puis bravo à tous les participants, vous étiez tous incroyables. Merci Edina, merci de Scott. Je tiens à, la ville de Sainte-Marie tient à remercier tous les partenaires Action TV, Studio Pierre Grenier, I3 en Vassin, Multimusique. Merci beaucoup à tous les participants de cette troisième édition-là. Merci beaucoup aux coachs. Merci à Jérôme, merci à Rosemary, merci à Véronique. Toujours un plaisir de vous revoir. Vous pouvez visionner également l'émission spéciale de la Toune d'or sur Action Télé dès la semaine prochaine. Et on se dit peut-être à l'année prochaine. Mon nom est Alexandre Lehoux. Bonne soirée. Bye bye.